tu sais ce que c'est être un petit con? C'est être le mec qui peut pas s'empêcher d'essayer en douce le jeu avant la présentation officielle. Parce qu'il a trop envie, quoi. Comment ça, vous connaissez des exemples? Bah, moi non, pas du tout, forcément. Je suis la sagesse incarnée, vous le savez bien. Monsieur Kate à bord, vous êtes bien dans The Big Game Oski. On va découvrir la version finale de Omno. C'est 3h du mat et je suis en train de l'essayer, c'est trop bien. Comment s'en dire un gosse le lendemain de Noël? Mais carrément. Ah, ça fait un moment que je l'attendais ce jeu. Je vous l'avais montré en preview il y a un petit moment, il y a 2 ans. Je crois qu'il en a pris 5 à développer au total, parce que c'est le boulot d'un mec tout seul. Bon, et après il s'est fait quand même un petit peu aider pour 2-3 parties, parce que c'est Shao. Mais nom de Zeus, regardez-moi ça. Et on espère qu'une chose, c'est que le gameplay va être à la hauteur du dépaysement. Oui, parce que ce qui m'avait beaucoup plu, bah je vais vous le faire voir, on va pas en parler, tourner autour du pot. On va foncer dedans, puis on va voir si ça commence de la même manière que sur la preview que je vous avais montrée. J'en profiterai pour faire la balance. On va dans les sempiternelles options, vérifier. Gameplay. In French, hein, bravo. Affichage. QHD. Au taquet. On peut pas avoir ultra taquet. S'il doit y avoir, mais. Pff, voilà. 30. Tu veux pas monter à 60? On va pas se le refuser celui-là, les gars. Et on est bon. Yes. Oh là là, je suis content. Comment ça, je l'ai déjà dit? On y va! Ça, c'est mon monde. Oui, c'est là que je vais traîner et faire de la plateforme, résoudre des énigmes apparemment. Je vais juste vous remonter un petit chouï le son, histoire que tout soit parfait dans le meilleur des mondes. Et on y go. C'est quoi ça? C'est mon téléport d'arrivée, c'est ça? Ok, rien. Et on va se balader un petit peu. Je présume que j'ai pas trop le droit d'aller dans la flotte. Alors qu'est-ce qui m'avait plu dans Omno? C'était son style déjà. Parce que ça a beau être taillé à la hache, bah regardez, ça a de la gueule quand même. Et il y a un genre. Oh, des plantes. Des plantes flamants roses. Des flap plantes vertes. On va inventer plein de noms pour l'occasion, vous allez voir. Oui, j'avais déjà inventé les lapipins. J'espère qu'on va en rencontrer là rapidement. Point de passage. Des réglettes. Je sens qu'on n'a pas fini de rigoler. Alors, le jeu est plein de créativité, pas que pour les noms de bestioles. Et c'est super agréable. Chouing. Répondez à l'appel. Entamez votre périple. Suivez le chemin qui mène à la lumière. D'habitude, on vous dit de pas trop aller dans la lumière, mais nous, on est des oufs, vous le savez bien dans TBG. Et donc. Chouing. Rien de bien compliqué. Alors, Omno, ce qui m'avait plu, donc, c'était sa partie visuelle qui est quand même très très sympa. Alors, il y en a, ils vont pas aimer, je le comprends. Mais pensez aux autres, les mecs. À moi en particulier. Moi, j'aime bien. Et je suis pas tout seul, je crois. Checkpoint. L'autre chose qui plaisait beaucoup, c'était une certaine douceur dans le jeu. Oui, c'est vachement agréable, les trucs où. Malgré les grosses bestioles. On n'est pas tout le temps à se friter. Oui, il n'y a pas que Kratos dans la vie. Maroula.
Maroula matata. Alors, Omnos, c'est des créatures, des rencontres, de la plateforme, mais pas que. De l'énigme, je l'ai déjà dit. Allez, Maroula tata. Omnos, c'est également sa musique qui plaira tout particulièrement aux fans de Journey, entre autres. Et vous serez là, vous ferez oh ouais, oh ouais, et vous allez voir ce qui va nous arriver après. Il y aura encore des moments pour faire oh ouais. Eh ben, merci, dude. Ouais, j'ai fait me ripper la gueule là. Ce qui est bien, c'est que ça commence pas du tout comme la démo. Ça fait plaisir. Alors, les mauvaises langues vont dire, mais il est où le RTX? Et moi, je leur dirais, mais qu'est-ce qu'on s'en bat avec? J'ai le bâton de la vérité. Oui, pas celui de Cartman. C'est un tout autre. The Light. Ça s'ouvre pas. Non, ça s'ouvre pas. Bon, on va continuer de suivre le chemin. C'est un peu pénible ça. Bah merde. Bon, c'est moi qui ai merdé. C'est moi qui ai merdé. Alors, my bad. My bad, les gars, c'est bon. Et alors, tout un vocabulaire à apprendre. Ok, on y va. Oh. Alors vous avez de la chance parce que j'ai pas de casque et je peux pas mettre le son à fond chez moi, mais c'est ce que je ferai, c'est ce que vous allez faire en écoutant, en regardant ce stream et en l'écoutant en même temps. Salut! Ça doit me servir de guide plus ou moins de ce que j'ai compris. Et le principe du jeu, bah, c'est de réactiver quelques mécanismes. Et pour y accéder, bah, il faudra passer par des plateformes. Et je vais vous remonter encore le son. Oui, on va pas se faire une déprime aujourd'hui. On n'est pas là pour ça. Donc on a un jeu qui a de l'énigme, de la plateforme, qui ressemble étrangement à tous ces jeux de zen, à la journée et compagnie. Oh, je monte là-dessus, moi. Ouais. Je peux courir, non? Checkpoint. Non, que dalle. Je crois que j'avais une action avec le bâton. Je peux pas taper le bâton encore? Oh, ok. C'est pas grave, on va se balader un petit peu. Mes fells seront vos rigolades. Et c'est très bien comme ça. Hop hop hop, monte là-dessus bonhomme. Je suis sûr que tu peux le faire. Fais pas ta bougnasse. J'ai un stream à faire, Buddy. Ah, ça va pas passer. Cool, cool, cool. Amuya. Yatta. Tu peux aller là-bas. Donc il y a des tas de choses comme ça, très bizarres, très étranges, qu'il va falloir découvrir et puis essayer d'interpréter pour que se révèle le monde d'Omno. Et avouez-le avec moi, ce jeu-là, vous n'allez pas laisser les gosses y jouer, quoi. Vous avez trop envie d'y jouer, vous. Oh, des chlupes. Oui, c'est des chlupes. Des lumes abeilles. Comme vous voulez, moi j'appelle ça des chlupes. Les plantes qui disparaissent et qui font chlupes, c'est des chlupes, quoi. Il y a des tas de petits trucs d'énergie qu'on peut récupérer. Là-haut. Et qui augmente, on le voit sur mon petit bracelet sur le bras gauche, et vont me permettre de faire différentes choses, rassembler davantage d'énergie, comme activer Spilone par exemple. Quelle drôle d'idée, mais je vais quand même le faire. Hop, donne, donne, donne. Donne, on va pas frapper les bestioles, on va éviter, on est un mec sympa.
au début. Toujours au début. C'est après que ça te part en couille. Merci, man. Je suis bon là niveau énergie ou faut que j'en ramasse encore? Alors, on va retourner dans les schlups. Schlups. Et donc si vous êtes très sage, vous ferez voir la pipe. Hein. Oui, moi aussi j'ai donné des noms de baptême perso aux bestioles que je croise. J'ose pas les taper ces trucs, c'est joli, ces petits bibloul. Des bibloul. De toute façon, j'ai pas la commande pour taper. Hein. On va être très clair. Non, monsieur ne tape pas. On va explorer, c'est déjà bien. J'ai toujours pas assez d'énergie les mecs. Grand bleu. Explorons. Salut. Merci. Ouh, j'ai speedé là. Ça voudrait-il dire que j'ai assez d'énergie? Non, ça a pas duré longtemps ça. Salut, tu me donnes de... Ah bref. Alors vous avez vu, tout le monde est gentil ici. Enfin, pour l'instant, c'est le début. Calmons-nous, il y a moyen que ça parte en vrille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se ramasse. Un K-cube. Hop, à moi l'énergie. J'ai beaucoup d'énergie, vous avez eu. Je peux tracer. Ça, c'est à moi. Qu'est-ce que c'est? Il semble que je sois seul sur mon chemin. Je laisse pourtant ces messages derrière moi. Pour qui souhaitera suivre mes pas? Pour moi? Pour mes souvenirs? Si seulement cette pluie incessante pouvait s'arrêter. Oui. Kaboum. Bah, toi, je t'ai déjà vidé. Est-ce que je peux utiliser ce... Schnups? Non, pas de Schnups. Serait-ce d'où je viens? C'est fort probable. Donc il va y avoir de l'exploration, de la varap, plein de choses à faire pour comprendre cet univers qui au début n'est que mystère. Et par exemple, mettre quelque chose là-dedans pour activer quelque chose en face. Un escalier? Oh, pff, comment vous y allez les gars? Spoilez pas tout, merde. Je m'applique à y aller progressivement et vous, vous arrivez avec vos gros patins là, et voilà, c'est foutu. On va aller chercher ça là-bas. Et les blip, les blip. Mimi. Oh, donne-moi des trucs. Toi aussi, t'en as. Vous avez vu, mon bras gauche est en train de tout s'illuminer. Oui, il va être wonderful. Ah, est-ce que je crève dans l'eau? Ça, c'est une... Bon, on le sait maintenant. Ah, j'ai déjà gaga de ce geste terrible. Comment ça, il m'en faut peu? Non, c'est juste que j'ai su gaga de ce jeu, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il scanne la map. J'ai pas tout compris. Ok, c'est ça, il a scanné la map. Donc en fait, je crois qu'il a repéré les éléments importants dans l'endroit. Et ça peut me servir de guide quand je suis un petit peu trop égaré. On voit qu'il y a la colonne là-bas en face. Il y a le truc à gauche qui brille. On voit que ce soit le truc avec le Omega là. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas le bouquin qui est indiqué. Il y a ce qui est bien en face, là on le voit bien. Et il y a ma colonne là-bas. Ok. Ça ne donne pas les priorités. Mais si on est logique, je pense qu'il faut activer les trucs en forme de boule d'abord, qui vont s'occuper de cette belle colonne qui va nous révéler quelque chose. Vous me l'achetez, on y va, on va essayer. Oui, alors un jeu qui n'explique rien, qui est tout dans la découverte. Ah, forcément, c'est trop bien. Sans savoir où mon pèlerinage a commencé, je me sens d'autant plus proche de la lumière et du nouveau monde. Bientôt, je franchirai la porte moi aussi. Faisons, faisons, faisons. Juste évitons de tomber dans la flotte, puisque la flotte n'est pas mon ami. Est-ce que je peux essayer d'activer ce truc du coup à droite? On va essayer. Ça fait beaucoup d'essais, hein. Ouais, j'essaye. Baoum. Chouing. À moi. Yes. Hop là. Ça n'est pas bien sur la... Non, pas encore sur la grosse colonne. Si. Super, ça veut dire qu'il faut que je réactive bien ces trucs-là.
Par contre, mon bracelet est redescendu à zéro. Donc, il faut que je récupère à nouveau de l'énergie. Et je disais donc tout à l'heure, oui, parce que je parle de plein de choses en même temps. Forcément, je m'égare. Ce jeu, est-ce qu'on va laisser les mômes jouer avec? Non. Non, mais laissez pas les mômes jouer avec ça, ils méritent pas, quoi. C'est fait pour les grands. Regardez, tout est fait pour les grands. Moi, je suis là, comme ça, émerveillé. Et vous allez l'être tout autant. Swing. Escalier. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. C'est pas juste des interrupteurs qu'on actionne, qu'on désactive, etc. Les boules d'énergie, je vais pouvoir les trimballer. Non, non, te noie pas là-dedans, c'est ridicule. Pas sympa, ça. Ça, c'était vraiment pas sympa. Je vais me venger sur une flapellule et une torte à vue. Plaf. Il tape gentiment, quand même, vous avez vu. C'est parce que la sympathie est sympathique. Et il faudrait que je passe sur les tortues pour activer ce truc. Tout de suite? Non, pas obligé. On va déjà aller à l'escalier. On va faire les choses dans l'ordre, bêtement. Toi, je t'ai vu. Plus. Hop là, plus on a d'énergie, mieux on se porte, c'est bien connu. Et donc je te disais, ne laissez surtout pas les gosses jouer, quoi. C'est pas pour... Regardez, c'est trop bien. Bim, ok, je peux jouer au billard avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Regardons le terrain, on peut le passer là, et on va le passer là, et on va le passer là. Ça me semble très très logique. Ça me semble quasi inéluctable. Plop. Est-ce que je peux sauter là pour... Et dude, t'as saisi le plan? Ouais, moi je voulais essayer ça. Ah. Ah. Parce que cette boule, contre toute attente, ah, ça je peux le spoiler, c'était dans la démo, on peut s'en saisir et la mettre au bout de son bâton. Et c'est vachement bien. Hein. Bim, c'est calé. Mais c'est trop loin pour que je saute, j'imagine. Et ouais, donc Stubble Balls, qui est là-bas. Faut que je me la récupère, que je la mette là. tête de... Quoi? Non, c'est... Oui. Faut que je me rappelle que ce stream est potentiellement visionnable par des mômes. Donc on va éviter les expressions un petit peu trop fleuries. Et le langage qui aurait oublié la correction et la courtoisie. Et comme je vous l'avais dit, je peux prendre ça. Oui, ça y était déjà dans la démo. Et maintenant que j'ai pris ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je peux le fumer, non? Non? Bon, d'accord. On va pousser ça déjà. Non, on peut plus? Comment ça, on peut pas le plus? Mais je suis déception, je suis... Je suis aboutissement inaccompli. Je suis... Ici? Ça passe au culot? Allez, on y va. Puis on ramènera le bloc si nécessaire. Pas le culot, c'est pas ce que j'ai. Hein. Donc le jeu est long. Oui, ça fait partie de ces jeux, des slow games, comme j'allais dire. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Comment ça, le micro était loin? On s'en fout, c'est le jeu qui compte, pas le mec qui parle. Bim. Un petit billard avec ça, ce serait marrant. J'anticipe peut-être, mais ça me pend peut-être au nez. Je vais laisser la balle ici, et j'aurai pas assez d'énergie pour ça. Ou quitter le gouffre d'Oki. Ok. Et du coup, j'ai pas activé ce qu'il y avait tout en bas, là-bas. Est-ce que je le fais? Apparemment, sur la map, c'est pas une obligation. Mais je vais quand même le faire, ce truc-là. Moi, je suis un curieux. Si on peut faire un petit 100%, ce serait cool, non? Allez, on essaye. Puis je fais un break après, parce qu'il faut pas tout que je révèle d'un coup. Et je vais vous streamer le jeu, je vous le rappelle, toute cette semaine qui arrive. Pour qu'on le découvre ensemble et que vous constatiez vous aussi à quel point Monsieur K est resté un grand enfant. Oui, normalement on dit un grand enfant. Mais j'ai arrêté de dire les liaisons inutiles. Et donc du coup, je montre que je suis juste un grand enfant. On va essayer de se le choper ce truc. J'espère que j'aurai assez d'énergie pour activer ça. Toc toc.
Yes. Doucement, 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 parce que là je vais pas y arriver s'il faut sauter précis. Hop, me merde pas le truc! Où il m'en met? Il m'a remis où? Il t'a remis où tu veux pas. Prendre un méga jump là, ce serait trop, tellement trop pratique. Est-ce que je prends la balle? Non, parce que ça va désactiver le schmilt. Je peux plus la prendre. Ainsi est faite la nature. Est-ce qu'il y aura un chemin plus simple pour aller sur cette île maudite? Les mecs, tu peux pas me faire traverser, toi? Allez, fais pas ta... Fais pas ton... Sois sympa, quoi. T'es pas sympa du tout, toi. Bon, saute comme il faut, mec. Fuck yeah. On va éviter de se planter. Alors oui, la plateforme et Monsieur K, c'est toujours un truc très très drôle. Hein. C'est... Il y a un petit syndrome Marcus que tout le monde a clairement identifié. Aïe aïe aïe. Je ne dis rien. Et j'en suis pas fier, hein, je vous le dis vraiment. On est à 100% là, les mecs. Faut juste que je me gadine pas en partant. Ce serait top idéal of the Mammoth in the Death. Et je sens que je vais me gadiner étrangement. Ah putain. Non, rien. Et on retraverse dans l'autre sens en passant. Ouais, c'est trop loin là. Allez, ne fais pas de blague. J'arrive. 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 Merci. Attends, donne-moi de l'énergie, toi. Comme ça, je peux courir. Bref, vous avez vu Omno comme c'est cool. Ça donne envie aux mômes. Non, mais laissez-les toujours pas jouer, c'est pour les grands. On va profiter, merde. On se retrouve tout bientôt pour une suite. Et continuez de découvrir le monde merveilleux de Omno qui... Je sais pas pour vous, mais moi, mais il me ravit cet endroit. Plein de mystères, d'étrangetés, d'énigmes et de plateformes à la con, il faut avouer. Allez, à tout bientôt. Ciao.